antes ni hablar por una rama. Hoy día me arrastro y no sé qué más. Là, on va passer à une personne qui est venue plusieurs fois ici à Vivement Poésie comme spectatrice. Elle était à la foule tout le temps et on a eu la chance de se parler. Elle fait beaucoup de choses, elle est multidisciplinaire. Je vais voir dans les sourires là-bas dans le coin. Danielle Good, oui, comédienne, danseuse, chorégraphe, enseignante. Danielle, qu'est-ce que tu ne fais pas? Elle fait tout, elle fait tout. Voilà, c'est dans le domaine théâtral, chorégraphie. Elle fait une maîtrise en danse du CAM, la formation au cours de laquelle elle a pu parfaire sa démarche artistique, fusionnant la poésie et le flamenco. Vous allez voir de quoi je parle. Ça vient tout de suite. Hein. Oui, alors, je suis très content d'avoir ici ce soir. Merci d'avoir accepté de participer à cette soirée de Vivement Poésie en tant que invité spécial. Elle ne voulait pas que je dise invité spécial. Ouais. Mesdames et messieurs, ouais. Elle va être accompagnée par... Non, là, il m'en voulait acheter, même si je ne dis pas son nom. Elle va être accompagnée par... Attends, je l'ai en tête déjà. Je ne plus, je vois le papier. C'est Shannon Casey, c'est bien ça. Voilà. Ça va être la poésie de Federico. Oui. Garcia Lorca, le grand poète espagnol bien connu de tout le monde. On sait comment il a terminé sa vie. On n'a jamais retrouvé son corps. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Federico. Oui. Et puis, alors, Daniel, tu es prête? Oui. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Daniel Godet. J'ai enlevé sa cravate, j'ai enlevé ma robe.
mais nos allèges de mort. Ni les nards, ni les coquillages m'ont donné aussi délicat, ni les verreries à miroir ne brillent avec autant d'éclat. Ces cuisses m'échappaient sans cesse comme des poissons que l'on piège, à moitié pleine de neige, à moitié pleine de chaleur. Cette nuit-là, j'ai parcouru le meilleur de tous les chemins sur une pouliche de nacre, sans étrier ni bride en main. Se battaient les épées de lys. Comme un justin, je suis. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Pour coudre, je lui ai donné un nécessaire en satin clair. Je ne veux pas être amoureux. Car elle a dit qu'elle était fille, alors qu'elle avait un mari. Au moment où je l'ai mené vers la rive. Oui, ben c'est en fait, ce soir, ça a été ma première prestation active, en fait, dans le spectacle. Sinon, c'est ma deuxième fois que j'assiste. J'étais ici le mois passé. Puis ben, j'ai beaucoup apprécié. J'aime bien l'énergie des gens qui sont excessivement attentifs. C'est un plaisir de pouvoir jouer dans des endroits comme ce soir ici, avec nos poésies, parce que les gens sont vraiment attentifs, ils écoutent, ils savourent en fait cette soirée-là. Donc en tant que musicien aussi, c'est bien de pouvoir jouer dans ces conditions-là. Donc c'est une belle expérience. Un poème que je vais vous lire toujours de Federico Garcia Lorca, Madrigo. Cristal de rose primitif, sédiment de soleil.
morte pour l'amour. Daniel Gonnet, accompagné de son guitariste, sachez l'encaisser. Applaudissez-le encore une fois, s'il vous plaît. Wow. Et ça comme ça, là, brûle pour moi, là. J'ai adoré l'expérience. J'ai adoré la dernière prestation avec le public qui tapait dans les mains. C'était super. Belle soirée, il y avait plein de poètes qui ont leur particularité. C'est vraiment très original comme soirée. Alors, venez en grand nombre.